pense que c'est dommage, oui, qu'il y ait des expulsions. Puis si les gens n'arrivent pas à payer, c'est qu'ils auront quand même un problème, je pense. Hein. Même si on ne paie pas de loyer, c'est qu'on a des problèmes. Il faut le résoudre. Ce n'est pas la peine de mettre les gens dehors. Et les femmes avec les enfants, bon, si on n'a pas l'argent, on ne peut rien faire. Hein. En ce moment, c'est vraiment difficile. Donc, si les expulsions continuent aussi, ça va être de pire en pire. Parce que c'est la crise, c'est un peu difficile pour tout le monde. Je trouve ça inadmissible, il serait peut-être temps que les gens se réveillent. La masse, parce que personne n'est à l'abri de rien. Et aujourd'hui c'est les autres, mais demain c'est nous, hein, ça arrive très vite. Hein. Ce serait bien de se sentir concernés tous par ce qui se passe. Quoi. Je trouve ça terrible. On vit dans un pays soi-disant développé, et des choses comme ça, ça ne devrait pas exister. Quoi. Vu comme les choses sont parties, c'est pas prêt de changer. Il y a toujours des promesses, mais qui ne sont jamais tenues. L'État, actuellement, elle ne mise pas grosse par rapport à ce sujet-là. Elle a d'autres préoccupations, mais ça aussi, ça fait partie des sujets qui préoccupent un petit peu les Français. C'est malheureux, mais bon, moi, je suis moi-même propriétaire et j'ai des locataires qui ne me payent pas depuis un an et demi. Donc, je comprends les propriétaires qui râlent.